Salut, salut les gars, comment vous allez? Alors moi ça va super bien, c'est Stella et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec les éditions de Nouveaux Horizons et de leur livre qui change la vie. Alors Nouveaux Horizons c'est une maison d'édition américaine qui traduit et qui publie des livres d'auteurs américains en français et ensuite ils commercialisent ces livres-là en Afrique francophone et en Haïti. Ce sont des livres qui couvrent plusieurs thématiques, de la médecine à l'histoire, en passant par le marketing, la communication, le développement personnel, et il y a même des romans. Il y a aussi un large catalogue pour la jeunesse et pour les enfants. Les livres NH m'ont apporté beaucoup de choses, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Déjà, ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment sympathiques parce qu'à travers la promotion des livres qu'on fait, on rencontre des gens, on récolte des avis d'autres personnes et on discute avec des personnes. Et voilà, on se rend compte qu'on découvre des personnes formidables. Donc déjà, ça, c'est un des points positifs. Et ensuite, si on veut parler des livres, sans mentir, les livres sont tout simplement riches. Il y a vraiment un large catalogue. Il y a des livres qui vont vous permettre de vous construire professionnellement, qui vont vous donner d'être plus autonome, qui vont vous donner confiance en vous, qui vont vous permettre de réaliser votre potentiel. Donc c'est vraiment ce que les livres NH m'ont apporté. Déjà, il faut savoir que les livres Nouveaux Horizons sont subventionnés. Ça veut donc dire qu'ils sont à prix vraiment réduit de ce qu'ils auraient pu coûter normalement. Donc voilà, donc ce sont des livres que vous allez trouver à des coûts, mais vraiment tellement abordables. Vous pouvez trouver des livres de 800 francs CFA. Et voilà, ça monte graduellement. Donc les livres sont vraiment accessibles à tout le monde. Et en dehors du prix, comme je le disais, ce sont des livres qui sont vraiment très, très riches. Ce sont des livres qui vont vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de savoir, en termes de connaissances. Si vous voulez monter un business, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez être plus calé côté marketing, côté communication, si vous voulez mieux travailler au boulot, vraiment, il y a des livres pour tout, pour tous les sujets. Alors maintenant, on va parler de certains de mes coups de cœur des livres Nouveaux Horizons. Alors, on commence par Rework. C'est l'un des tout premiers livres NH que j'ai eu à lire. C'est un livre qui déconstruit vraiment nos façons de penser concernant le travail, concernant l'entrepreneuriat. Donc, c'est un livre qui casse les codes et que je recommande vraiment à tous les employés, aux salariés, aux entrepreneurs, à tout le monde. Vous n'allez pas regretter. Ensuite, on a C'est ça le marketing de Seth Godin. Je pense que c'est l'un de mes livres préférés. J'ai beaucoup aimé la couverture. Voilà, et c'est un livre qui vraiment vous explique le marketing tel qu'il est, qu'il vous donne une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre votre cible et de pouvoir mettre les moyens en place pour l'attirer et la séduire. Après, on a Pensé comme un millionnaire de Tim Graziosi. Alors ça, c'est un livre de développement personnel, mais qui n'est pas écrit comme un livre de développement personnel. Voilà, c'est vraiment plus simple, c'est plus facile à lire. Il y a plein d'exercices à l'intérieur qui vont vous permettre de changer vos habitudes et d'adopter des attitudes meilleures pour être plus heureux et pour vraiment faire ce qui compte le plus pour vous. Le MBA visuel de Jason Baron. J'ai déjà parlé de ce livre, mais je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui parle de tous les aspects d'une entreprise, que ce soit les ressources humaines, le marketing, même les finances, la comptabilité et tout. Et ce qui est bien, c'est que ce livre est imagé, voilà. Donc, il est facile à comprendre et ça vous explique simplement des trucs qui, à la base, sont difficiles, quoi. Voilà. En dernier, on a En avant tout de Sheryl Sandberg, qui est un livre que j'ai encore beaucoup aimé pour son ton léger. C'est un livre qui invite les femmes à occuper des postes de décision, à ne pas avoir peur de leurs compétences, à ne pas se mettre en retrait et à vraiment réaliser qu'elles sont aussi fortes que les hommes professionnellement parlant et qu'elles ont toutes les chances et tout le mérite d'occuper de grands postes. Ce livre apprend aussi aux femmes à pouvoir bien gérer leur temps, leur vie entre vie familiale et vie professionnelle pour ne pas que l'un soit au détriment de l'autre. Donc c'est vraiment un livre pour les femmes qui ont envie de s'assumer et de se réaliser. Je vous invite vraiment à découvrir les livres Nouveaux Horizons si vous vivez dans un pays d'Afrique francophone ou en Haïti. Ce sont des livres vraiment géniaux qui m'ont offert du bien.